Le collège Charles de Foucauld de Lamastre. En 1964, la communauté des religieuses de Saint-Joseph d'Aubenas construit le bâtiment Route de Valence. Il abritera le cours complémentaire de filles jusqu'à la fusion en septembre 1973 avec le cours complémentaire de garçons. C'est à cette date que fut signé le contrat d'association avec l'État. L'établissement s'appelle désormais cours secondaire privé mixte. Deux communautés religieuses ont œuvré pendant très longtemps dans ces établissements scolaires. La communauté des frères des écoles chrétiennes, qui a dirigé le cours complémentaire de garçons jusqu'en 1972 avec le frère Valette et le frère Jean Boichon. Les derniers frères ont quitté Lamastre en 1982. La communauté des religieuses d'Aubenas est toujours présente dans ses locaux à Lamastre, puisqu'elle est propriétaire du bâtiment Route de Valence. En 1996, le lycée agricole a été créé, l'EPAP, lycée d'enseignement professionnel agricole privé. Le bâtiment du lycée a lui été construit en 2004. Puis en 2008, l'école primaire arrive dans le même bâtiment que le collège. La toiture a été rénovée en 2008, les fenêtres en 2013 et la dernière rénovation est la façade en 2014. Le premier nom du collège était le collège de Mageville. Les directeurs qui sont passés par ce collège sont en premier les frères Valette et le frère Jean Boichon, monsieur Boussard, monsieur Bertrand, monsieur Matevé, monsieur Ségoui, monsieur Larocque, madame Diaz, monsieur Bélier, monsieur Rolly et en dernier monsieur Badol. Les options. Quatre types d'options sont proposées aux élèves. Latin pour les classes de 5e, 4e et 3e. Bilingue pour les 6e, anglais, allemand. Allemand ou espagnol pour les classes de 4e et 3e. Section sportive pour les classes de 5e et 4e. Les horaires. Les cours ont lieu habituellement de 8h10 à 12h05 et de 13h15 à 16h40. Le nombre d'élèves cette année en 2014-2015 est de 98 au collège. Le nombre de professeurs côté collège est de 14. Lieu de vie. Le mercredi après-midi, le collège propose des activités. Cela est l'association sportive. Boxe, ski, VTT et participation à l'art ardéchoise. Pendant les cours des sixièmes, le vendredi après-midi, les élèves partent au verger vers Desagne pour faire de l'équitation ou faire du tennis. Afin d'aider tout élève à donner le meilleur de lui-même, des actions de soutien par matière, d'aide aux travaux et d'études dirigées sont mises en place. Outre l'entraînement intensif au brevet des collèges, 100% de réussite. Chaque semaine, 3 heures sont consacrées à la découverte du monde professionnel, sans compter les nombreuses visites d'entreprises et forums des métiers. Différents voyages en Europe sont organisés, Angleterre, Allemagne, Espagne et Italie. La filière professionnelle, la quatrième et la troisième de l'enseignement agricole, s'adresse aux jeunes en recherche d'orientation, voulant un enseignement plus concret, davantage tourné vers le monde extérieur. La particularité de cette filière est l'accent mis sur les stages. Deux stages de 2 semaines chaque année dans des domaines choisis par l'élève, et sur les modules de découverte de la vie professionnelle. Ces modules sont l'occasion de rencontrer un maximum de professionnels et de découvrir de nombreux métiers. Un partenariat avec le